prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, avec le général de la brigade aussi. Voilà, donc je suis guide spirituel de cette confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il est aussi le président de la confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Voilà, donc nous sommes à cette date aujourd'hui, le dimanche 11 décembre 2016. Je suis arrivé hier de ma tournée américaine, hier samedi 10. Voilà, donc très heureux de revoir la Côte d'Ivoire et très heureux de revoir mes amis, mes parents, mes collaborateurs, mes proches. Je tenais simplement à dire merci, vraiment de tout cœur, à ma fille Naïm et au couple Naïm. Merci parce que c'est elle qui a eu l'initiative de m'inviter, n'est-ce pas, sur les États-Unis. Et ça a été pour moi une grande bénédiction. J'en profite aussi pour dire merci. Merci à la délégation de Miami, ceux de Miami qui ont organisé le programme de Miami, Gilbert. Je dis merci à Gilbert, je dis merci au grand Ben. Parce que c'est à cause de Ben, tous les gars de Miami ont commencé à regarder la vidéo du prophète Crasso. Ben, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille et tout ça. Merci pour les témoignages qui nous sont parvenus, les différentes délivrances dans la vie de certaines personnes. Et je tiens aussi à dire merci aussi à la sœur Thérèse, d'Atlanta et toute cette délégation. Le vieux Victor, voilà, Victor, que Dieu bénisse et toute cette délégation. Je tiens aussi à dire merci aussi à l'équipe de Virginie, voilà, l'État de Virginia. Pour laquelle la prophétesse, que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à dire merci. Merci au couple d'Osso et merci à tous ceux de New York, n'est-ce pas, qui se sont organisés pour me faire entrer à l'ONU. Voilà, merci à toute cette délégation. Que le Seigneur vous bénisse parce que désormais le prophète Crasso va amener sa place à l'ONU voilà, pour communiquer, condamner la pratique de la sorcellerie, qui était vraiment un mal cruel et que nous devons tous condamner parce que c'est aussi. Provoque aussi les crimes contre l'humanité. Voilà, parce qu'un sorcier peut tuer aussi, on a eu des sorciers qui ont tué 1732 personnes. Voilà, donc c'est des parties que nous devons condamner, parce que nous luttons pour le droit de l'homme, parce que quand on parle du droit de l'homme, l'homme a droit à la vie. C'est ça, c'est pour ça que l'ONU siège pour toujours combattre les guerres dans le monde entier. Vous avez vu les symboles très forts devant l'ONU, vous avez mis plus de fusils, doit résonner. J'ai vu tous les symboles de l'ONU, pour dire que l'ONU nous reconnaît, parce que c'est pas une question, c'est vrai, je fais partie d'une église, quand authentique international, mais cette histoire de la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec une religion. C'est une question, nous avons révélé aux yeux du monde que la sorcellerie est un mal cruel. Non seulement ce qu'on peut être délivré de la sorcellerie, pour celui qui veut bien être délivré, un sorcier peut être délivré, et nous avons d'abord révélé aux yeux du monde que la sorcellerie est une maladie, et c'est nous qui avons révélé aux yeux du monde que c'est un mal qu'ils devons tous prendre en compte et détruire, parce que si nous ne détruisons pas la sorcellerie, ça peut vraiment créer beaucoup de choses, parce que même les génocides dans le monde, les dégâts, les catastrophes les naturelles dans le monde, il y a une meilleure force occulte qu'on appelle la sorcellerie. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour toute cette délégation. Je reviendrai par la grâce de Dieu et j'aurai un grand programme sur l'Espagne, New York, avec ma délégation, bien sûr. Et je remercie vraiment la prophétesse Oulou et son mari Michel, Oulou Michel, l'évangéliste. Et que toute cette délégation, vraiment, j'ai été vraiment touché. Et merci parce que désormais, nous avons un centre de délivrance à Baltimore. Désormais, j'ai maintenant un centre de prière, un centre de délivrance à Baltimore. Je tenais quand même à dire merci. Que la gloire revienne au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà, je suis bien arrivé par la grâce de Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons démarrer une grande retraite spirituelle. Le week-end prochain, nous démarrons une retraite spirituelle. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Pour tout ce qu'il fait d'ailleurs, que la gloire révèle au Seigneur. Mon prochain retour, ce sera dans le monde à venir par la grâce de Dieu. Donc, je tenais à dire merci pour tous ceux qui ont contribué, qui m'ont soutenu sous plusieurs formes d'ailleurs. Voilà, que puis je sans oublier Barbara, ma fille. Voilà, Barbara. Vraiment, il y a beaucoup de noms que je m'excuse si je n'ai pas cité beaucoup de noms. Mais je tenais à dire merci à tout le monde. Tout le monde. Et que la gloire révèle au Seigneur. Shalom à vous, que Dieu bénisse.